Je ne suis pas le prologue. Je suis moi, Infus, metteur en scène, tout simplement. Vous avez vu l'affiche? Elle n'annonce pas une pièce. Ce soir, je joue carte sur table. Ce soir, au théâtre, on improvise sur un thème de Pirandello, emprunté à une de ses nouvelles. En quoi va consister l'expérience de ce soir? Ben, vous le verrez. Mes acteurs, sous ma direction, se sont imprégnés du sujet, se sont répartis les rôles. Nous avons réglé l'ordre et le sens des scènes. Et maintenant, nous allons improviser. L'action se passe dans une île de la Méditerranée. Je vais vous présenter les acteurs. Venez que je vous présente. Mais si, venez vous montrer. Il ne veut pas, mais il viendra tout de même. Mais non, patron, en scène, je n'ai pas à être présenté. Ben voyons, ne vous fâchez pas. Pourquoi vous fâchez? Ne m'obligez pas à discuter avec vous après m'avoir forcé à me montrer sans raison. Moi, je vous prie simplement de jouer votre rôle. Je ne demande pas mieux à la condition qu'on ne m'appelle pas sur le plateau quand je n'ai rien à y faire. Je voulais simplement vous présenter au public. Comme une marionnette. Comme on présente, comme on montre une marionnette au repos avant d'y mettre ses doigts pour la manier. Je ne suis pas une marionnette et je n'ai pas à être présentée au public, moi, en tant que l'âge, par vous, Infus. Il n'y a plus de l'âge sous cet uniforme. J'ai accepté d'improviser, laissez-moi faire. Je vous en prie. Si vous voulez que je trouve les mots qui doivent venir à mon personnage, si vous voulez que mon jeu soit naturel, mes gestes spontanés, il faut que l'âge disparaisse, qu'il vive le personnage de Rico Berry, qu'il devienne Rico Berry. Eh bien, ça y est déjà. Je me sens déjà tellement dans la peau du personnage que je ne sais pas si je pourrai exécuter à la lettre tous les jeux de scène que vous m'avez indiqués. Vous comprenez à présent? Oh, ben ça par exemple! On ne t'avise pas de recommencer, hein? Je ne suis pas du genre à encaisser les gifles sans les rendre. Qu'est-ce qu'il y a encore qui ne va pas? Ben c'est Evelyne, là! Sous prétexte que c'est dans la nature de son route, m'a donné une taloche. Tout mon maquillage du côté droit a sauté, il n'y a plus rien. Tu n'avais qu'à lever le bras, ou être baissé pour éviter ma gifle. C'est pourtant pas difficile. C'est un mouvement instinctif et naturel. Ben comment veux-tu que je le fasse, tu ne préviens pas? Ah, évidemment, puisqu'on improvise. Je te gifle quand tu m'énerves. C'est mon personnage. Bah dis-moi quand je t'énerve, je peux pas le deviner. Mais tu m'énerves tout le temps. Tu n'as qu'à être constamment sur tes gardes. Je ne peux tout de même pas te fixer d'avance la réplique de toi qui m'énerve assez pour que je te gifle. Bah, en tout cas, t'es pas obligé de taper aussi fort. Fais semblant. Bah, mais comment veux-tu que je fasse semblant? Il faut que ça parte tout seul. Tu m'énerves, pan, la gifle tombe. C'est tout. Voyons, mesdames, vous oubliez que vous êtes devant le public. On joue déjà, mon petit Georges. Tu parles. Ah, vous jouez déjà? Remarquez bien, elle joue. Mais vous vouliez nous présenter au public? Mais la présentation est faite. Il a suffi d'une taloche bien appliquée et tout le monde sait maintenant que j'ai pour mari un pauvre crétin. Tenez, mais entendiez-le qui sifflote. Et le voilà en plein dans le rôle. Ce qui m'étonne, c'est que vous puissiez jouer en dehors du scénario, sans décor, devant le rideau. Bah, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut faire que les spectateurs ne vont rien y comprendre si vous ne commencez pas par le commencement. Mais si, ils comprendront même beaucoup mieux. Laissez-nous libres, patron, et vous verrez. Nous serons d'autant plus nature que vous ne nous entraverez pas, mon petit Infus. Le scénario est fait pour être suivi. Mais nous le suivrons. Et d'ailleurs, nous le suivrons d'autant mieux que nous nous laisserons aller à l'inspiration. Tenez, regardez, par exemple, je vais vous présenter mes filles comme je le sens. Par ici! Par ici, Bichoune! Allez! Et voilà Mimi! Et voilà Titine! Et Nénette! Ce ne sont pas de belles petites, peut-être, hein? Elles mériteraient d'être princesses. Est-ce qu'on les dirait nées d'un galapia comme celui-là, hein? Entendez-le qui siffle! Toujours il siffle! Ah! Il ne rencontrera pas dans ses tournées un bandit qui se trompe et qui m'en débarrasse! Ou bien un rocher dès qu'il lui dégringole sur la ciboule! Ouais, maman, t'excite pas, laisse-le tranquille! Comme il siffle! Toujours il siffle!
Ah, bonne mère! Eh bien, alors, est-ce que ça va pas comme ça? Ça monte comme une mayonnaise, non? Vous ne vous laissez pas prendre, n'est-ce pas, à ces affirmations d'indépendance? Cette révolte des acteurs contre mes indications est une révolte de théâtre. Tout ça a été préparé entre vous et moi, afin de rendre l'exposition de la scène plus spontanée, plus vivante. Ils ne sont pas étonnés, ils font semblant. Ah, pourquoi dites-vous ça, patron? Vous savez parfaitement que c'est faux, et que ma protestation de tout à l'heure était tout à fait spontanée. Si on continue comme ça, moi, je lâche. Je n'ai pas besoin de vous préciser que l'expression de cette colère est également simulée. Tout ce qui se passe sur cette scène est nécessairement simulé. Continuez, madame, continuez. Non, je n'attendais pas moins de vous, c'est parfait. Non, attendez, que je continue, mais que je continue quoi, là? Eh bien, mais l'exposition que vous avez si bien commencée, selon notre accord préalable. Ah non, Georges, là, ne racontez pas n'importe quoi, hein. Sinon, moi, là, je vais rester bouche bée sans plus pouvoir dire un mot. Elle est magnifique. Non, mais vous voulez faire croire que tout ce que nous avons dit et fait est réglé d'avance? Demandez au public s'il n'a pas l'impression en ce moment que nous jouons en improvisant. Ah, pour ça, oui, nous improvisons, hein. Nous sommes montés sur scène et nous improvisons tous, hein. Mais vous comme nous. Eh bien, continuez, appelez les autres acteurs et présentez-les. Bon, très bien. Bien entendu, vous reprenez votre personnage. N'ayez crainte, j'y suis, ça me plaît. Vous là-bas, venez, venez, vous, vous êtes mon rêve pour Titine, hein? Allez, venez, vous allez la prendre par le bras, là, comme ça, hein? Allez. Comme l'indique le scénario. Oh. Ouais, je vous en prie, Evelyne, ne commencez pas à tout chambouler, ce n'est déjà pas si commode d'improviser. Ah oui, c'est vrai, vous, vous êtes avec Nénette. Ouais. Faites bien attention. Avec moi, vous se le rappelez. Eh oui, mais moi, c'est vrai que j'ai confondu avec tous ces petits rôles. Faut en prendre un ici, faut en prendre un là. Alors, voyons, mais Véry. Eh oui, Véry, mais oui, Véry. Il devrait être ici avec ses camarades. De jolis camarades, et qui enseignent de belles choses à vos chères filles. Mais vous voudriez peut-être que je les ai chez les sœurs, à apprendre le catéchisme, ou le crochet. Ce n'est plus de la mode du jour, hein. Alors, ne bisquez pas. Ça ne sert à rien de bisquer. Et vous savez, ces fillettes, sans en avoir l'air, ce sont des perles pour le ménage. Mimi, il fait la cuisine, va s'en lécher les babines. Elle vous fera de ses bouillabaisse. Et le paquet de Marseille, c'est son triomphe. Voyons, maman. Mais je ne dis que le vrai, hein. Et danser, et chanter. Tu ne chantes pas bien, peut-être, hein? Avec les gestes et tout, hein? Avant que vous veniez chez nous, monsieur Véry, elle le disait tout le temps qu'elle voulait monter sur les plages. Ne croyez rien, Hugo. Qu'elle y aurait triomphé, pour sûr. Elle serait devenue star. Titine ne chante pas mal non plus, hein? Et ça ne l'empêche pas de raccommoder divinement. Oui, à droite de ses 10 doigts, comme une fée, comme un ange. Elle sait même pétasser les souliers. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, et Nénette. Tu te tais, maman? Nénette, elle retourne les vêtements quand les dirait neuf. Mais non, mais tu vas te taire. Et pour le dégraissage. Oh, voyons, maman. Et Titine ne tient les comptes comme personne, hein? Mais t'as fini? Elles en ont honte. Comme si... Voilà, où nous en sommes. Eh bien oui, comme si c'était des vices secrets. Et pas poseuse, hein? Et se contentant de rien, les pauvres. Un peu de danse et de spectacle, c'est tout ce qu'elles veulent. Elles peuvent même se passer de manger. Mais les vieux opéras. L'opéra comique, elles sont comme moi, elles les adorent. Mais nous, nous aimons aussi la musique, tandis que toi... la musique moderne, c'est ça, hein? Oh, ne me parle pas de cette musique sans mélodie, hein? Non, rien ne faut. Mignon, ou la traviata. Mais je vous parlais de vos camarades. Ce sont eux qui vous ont amené la première fois à la maison. Oui, mais je ne suis pas de l'active comme eux. Moi, je fais 6 mois comme repissier de réserve et puis au revoir à tous. J'en connais qui ne se gobergeront plus à mes frais.
Mais ça n'a rien à voir. Je voulais dire que ni moi, ni mes filles, ni ce grand story. Qui m'énerve celui-ci, hein? Mais tu te tais là, ou je te lance la boursette à la figure, hein? Tu te tais, oui? Je disais que personne au début ne s'était aperçu que vous aviez l'humeur noire des Corses, leur caractère sauvage. Je m'en vante. Mais maintenant, je le sais. Et comment? N'anticipons pas, Evelyne, n'anticipons pas. Mais j'anticipe rien. Il s'agit d'une simple présentation des personnages, aussi claire que possible. Mais tout sera clair. N'ayez crainte. Vous vous en vantez. Mais au début, vous vous gardiez bien de vous inventer. Vous étiez d'accord avec nous pour tenir tête à tous ces sauvages qui nous reprochent de vivre comme sur le continent, de n'avoir pas peur de réunir à la maison un peu de jeunesse et de la laisser s'amuser un peu. Hein? Vous aimiez bien, il me semble, plaisanter avec Mimi. Où est-elle, la petite? La voilà. Elle est bien mignonne. Mais ce n'est pas encore le moment de te tenir ainsi, hein? Non, mais laisse-moi, Jeanne. Je ne peux pas continuer comme ça, hein, monsieur le directeur. Vous aviez écrit un scénario, établi l'ordre du tableau. Il n'y a qu'à suivre. Tout à l'heure, j'ai à chanter et à danser. Ben, c'est très bien. Mais je ne peux pas jouer comme ça, moi, au hasard. Si vous vouliez une présentation comme celle-ci, une sorte de défilé, il fallait prévenir. Elle a parfaitement raison. Oui, c'est évident. Nous savons d'avance qu'on aura à dire. Ah non, d'avance non. Sans quoi il n'y a plus d'improvisation. Si c'est pour servir les effets des autres, moi je ne marche plus. Je dirai ce que j'ai à dire. Mais oui, c'est entendu. Vous n'avez plus rien à dire. Alors les autres non plus. Ah, moi non plus, j'ai plus rien à dire. Alors je m'en vais. Hein. Et puis votre histoire est parfaitement absurde. Je vous l'ai déjà assez répétée. Mimi, je ne veux pas que vous partiez toute seule. Que je suis stupide, je m'embrouille. Mais tu as raison, Josette, et je sors avec toi. Eh bien oui, mais nous partons tous. Oui, ils ont raison. Oui, ils ont raison. Trop de textes, trop de textes. Je vous l'ai dit, parlez le moins possible, le moins possible. D'ailleurs, l'exposition est finie. Des attitudes, des gestes synthétiques et moins de mots. Croyez-moi, les mots naîtront d'eux-mêmes. Des attitudes que vous prendrez conformément au scénario. Suivez le scénario, vous ne vous tromperez pas. Laissez-vous guider et citer par moi, comme nous l'avons établi. Vous pouvez vous retirer. Nous allons commencer. Bon, compris. Allô, les petits. En doute. On a une bonne soirée en perspective à ce tabaret. Allez, les os, balancez les dames, et en musique. Tu crois qu'on saura parler comme ça? Je sais rien, viens de moi la main. Belle au coton, aimée, elle rit souvent. Je crois qu'elle est toujours contente. Je sais rien, viens. Mélocotone et boule d'or, deux gosses dans un jardin. Mélocotone, où elle est, maman? J'en sais rien. Viens, donne-moi la main. Pour aller où? J'en sais rien. Viens. Le pauvre vieux, vous n'avez pas honte? Je voudrais bien savoir ce qui est arrivé. Mais rien, c'est toujours à cause de l'autre soir. Tout le monde connaît votre sympathie pour cette chanteuse. Ils auraient voulu vous voir gifler encore une fois, quand elle vous a giflé en disant que c'était bien mérité.
Ah, c'était ça. Très bien. Mais vous avez remarqué que ce soir, j'ai toujours évité de la regarder. Je suis restée les yeux fixés sur les danseuses. Je ne peux pas la regarder sans me sentir bouleversée. Chaque fois que je l'entends, que je la vois chanter les yeux fermés et que les larmes lui coulent sur les joues. Mais c'est du chiquet, mon cher monsieur. Non, ce n'est pas du chiquet, non, non. Cette femme souffre, elle souffre vraiment, je vous l'assure. Et puis, elle a la même voix que ma fille aînée, la même exactement. Et puis le même air que ma petite Mimi. D'ailleurs, elle m'a dit qu'elle appartenait à une bonne famille. Mais il y a des choses qui arrivent, même dans les bonnes familles. Chaque fois que je l'entends, je suis pris par une espèce d'angoisse, de terreur. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Oh, les saligots! Mais enlève donc ton ami sur ton chapeau, ce qu'il y a. T'es con! Oh! Qui t'a fait ça? Qui voulez-vous que ce soit? Les cornes! Et il riait de ça? Les misérables! Mais est-ce que tu vas les garder longtemps à la main comme un chapelet? Vas-tu les chuter quand t'en as d'elles? Et tu n'es bon qu'à te faire ridiculiser, hein? Voyons, maman, ce n'est pas sa faute! Ouais, ce sont ses voyous! Qui a eu l'audace? C'est vous? Histoire Rico, je vous en supplie. C'est votre faute. Je vous ai assez dit que je ne voulais plus vous voir dans ces boîtes infâmes au milieu de toute cette racaille. Ils ont raison. Hein. On ne le fera plus. Oh, c'est assez, moi je ne reste pas ici. Calmez-vous, Ricardo. Asseyons-nous. Qu'est-ce que vous prenez? Allez, assieds-toi, maman. Oh. Calme-toi. Vous prenez quelque chose avec nous, monsieur Palmyre? Lui? À la maison, tout de suite! Et il part en tournée demain matin, il ne pourrait pas se lever. Allez, Zou! À la maison! Mais non, maman, laisse donc. Alors, tu ne veux pas que je reste? Reste seulement que je te gifle. Ça suffit, c'est amplement suffisant. Les clients du tabarin à vos places. Jusqu'aux figurants qui s'en mêlent. Vous sortez par le jardin. Ah non, je sors par la cour. Par la cour, si vous voulez. Bon, je tiens à vous faire remarquer que jusqu'à maintenant, je n'ai pas pu placer un mot. Tout le monde parlait à la fois, moi je trouve que la clarté y perdait. Vous l'avez très bien fait sortir, vous viendrez tout à l'heure. Mais n'aurait-il pas été nécessaire que je fisse remarquer que d'une part, tour tombait toujours sur moi, et que je montre d'autre part l'angoisse qui me prend à l'idée que mes filles puissent finir comme cette chanteuse? Mais non, tout était très bien. Allez-y. Bon. Un demi, bien tiré. Une glace, hein? Nous n'avons plus de glace. Oh, bah, il n'y a plus de glace, alors bah, une menthe à l'eau bien fraîche. Hein. Oui, pour moi une limonade. Et apportez-nous aussi des esquimaux et des caramels. Quel incident stupide. Oh, il y a beaucoup de la faute de ma part. On dirait qu'il fait exprès de venir en spectacle en les rangs de celui-ci. Oh, non, nous ne tourmentons plus. Et moi? Tiens. Vous croyez vraiment que sur le continent, ils font comme ça? Mais bien sûr. On fait même mieux que ça. Ah, si vous saviez tout ce qu'on fait sur le continent. Ah ouais? Quoi, par exemple? Ça ne se dit pas en public. Mais demain, tous les trois, nous donnerons l'assaut au camp d'aviation. Ouais. Nous voulons voler. Très heureux de la visite, mais malheureusement, pour ce qui est de voler, interdit. Et le colonel ne badine pas avec le règlement. Le colonel est en permission. Moi, je veux voler. Je veux voler rien que pour le plaisir de cracher sur cette sale ville. Non, on ne peut pas vous faire voler. Ce n'est pas de voler qui m'intéresse, mais c'est de cracher sur ces brutes du haut du ciel. Vous cracherez pour moi, hein. C'est promis, c'est juré. Vous savez que votre père est fou de la chanteuse du tabarin? Papa? Non, pas possible. Je vous le certifie, toute la ville en fait des gorges chaudes. Papa amoureux? Ah ça alors? Vous l'avez bien vu tout à l'heure? Bah si maman savait ça, elle l'écorcherait vif. Et qui est cette chanteuse? Vous la connaissez? Je l'ai vue une fois. C'est une folle triste. Triste? Comment ça, triste?
Elle chante les yeux fermés et on prétend qu'en chantant, il lui arrive même de pleurer pour de bon et de tomber sur l'estrade, terrassée par le désespoir qui l'a fait pleurer ivre morte. Ah, parce qu'elle boit et qu'elle a le vin triste en plus. Bon, c'est possible, mais on dit qu'elle boit par désespoir. Un petit boule d'or, le gosse dans un jardin. Je pense à papa, le pauvre homme. Il doit vraiment être malheureux alors. Mais je vous crois pas. Ah bon, vous ne me croyez pas? Et si je vous disais qu'un soir, où il avait peut-être lui aussi bu un verre de trop, il s'est donné en spectacle à tout le tabarin. Il est allé, les larmes aux yeux, son mouchoir à la main, essuyer les larmes de cette fille qui chantait les yeux fermés. Pas possible. J'en sais rien. Bien. Et savez-vous comment elle l'a remercié? En lui appliquant une gifle formidable. Ah, elle aussi, comme maman. C'est ce qu'a dit votre père à tous les spectateurs qui s'esclaffaient. Toi aussi, ingrate. Et ma femme qui passe déjà sa vie à me gifler. Tu sais ce que vient de me dire Véry? Que papa était fou amoureux de la chanteuse en noir? Non, mais tu te fous de moi? Si, si, tout ce qu'il y a de plus vrai. Et tu sais ce qui lui est arrivé? Quoi donc? Il a été giflé par elle en plein spectacle. Giflé? Et pourquoi? Parce qu'il voulait essuyer ses larmes. Quelles larmes? Bah, si paraît, c'est une femme qui arrête pas de pleurer. Tu vois comme j'avais raison tout à l'heure. Comment veux-tu que les gens ne tombent pas en ridicule après ça? Qu'est-ce que vous avez? Moi, rien. Que voulez-vous que j'aie? Alors, pourquoi prenez-vous cet air furieux? Je n'en sais rien. Cette vie ne peut plus continuer. C'est aujourd'hui que vous en apercevez. Taisez-vous. Tout le monde me regarde. C'est ça qui me met hors de moi. Je n'ose plus parler. Je n'ose plus bouger. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à nous épier et à écouter ce que nous disons? Laissez-les, ne les provoquez pas. Mais nous sommes des spectateurs comme les autres. C'est intolérable. Qu'est-ce que nous avons d'extraordinaire? Je vous l'ai dit. Comment vivre? Faire des gestes, lever un bras, lever les yeux, quand tout le monde vous regarde. Tenez, autour de maman, autour de mes sœurs, c'est la même chose. Comme si nous étions des acteurs. C'est vrai. L'abominable, c'est que vos sœurs... Quoi, mes sœurs? Rien. J'ai l'impression qu'elles aiment ça. Quoi? Se donner en spectacle. Mais elles ne font rien de mal, elles rient, elles s'amusent. Elles ont un air effronté qui attire les regards. Ah, c'est pour plaire à vos camarades aiment ça. Oui, ce sont eux qui les entraînent. Ah, ils m'exaspèrent. Ils s'amusent. Ils oublient qu'ils compromettent la réputation de deux jeunes filles. C'est évident. Ah, si l'un d'eux se permettait avec vous, je ne le supporterais pas. Je ne le supporterai pas non plus, soyez tranquille. Mais vous l'avez supporté. J'ai pu le tolérer, mais il y a bien longtemps que je ne tolère plus. Vous le savez bien. Eux ne le savent pas. Ah, ils le savent, ils le savent. Non. Et ils m'ont dit des choses sur vous, des choses qui se sont passées. Quand? Mais dites-moi quand. Vous voyez, vous ne répondez pas. Il ne faut pas plaisanter avec moi. Mais ils le savent parfaitement, mais les plaisanteries les plus innocentes vous affolent. Vous les excusez? Non, mais calmez-vous, moi je ne vais plus. Épargnez mes filles.
Dansez, mes petites, chantez, amusez-vous. Et laissez-moi souffrir seule en pénitence de tous mes péchés. Je ne veux qu'une chose, c'est que vous soyez contente, heureuse. Je n'ai jamais pu avoir de bonheur, jamais, jamais. Je veux que mes filles soient plus heureuses que moi. Même si elles doivent manquer à vos cinq commandements, et je prends tous leurs péchés sur moi. Oh, chantez, mes petites, chantez. Malocotonnée boule d'or, deux gosses dans un jardin. Malocotonnée, où elle est, maman? J'en sais rien. Viens, donne-moi la main. Oh, laissez chanter Mimi toute seule. Fais-nous entendre ta belle voix mignonne. Malocotonnée boule d'or, deux gosses dans un jardin. Ah, c'est comme ça que vous vous foutez de moi! Eh, hey, vous n'êtes pas encore le maître ici, entendez-vous? Ah, vous m'envoyez à la pharmacie et pendant ce temps? Et quoi, pendant ce temps? Vous trouvez le moyen de l'entraîner dans votre carnaval! Veuillez quitter cette maison! Rico, c'est pas ma faute, c'est pas ma faute. J'ai dit à répéter que je ne voulais pas, je ne voulais pas. Mais c'est un imbécile qui éprouve le besoin de s'excuser. Laisse-le donc crier. Sans vous, Mimi serait devenue une grande étoile d'opéra! S'il y avait un homme ici pour lui botter le derrière, ben il ferait pas tant le malin, hein. Oui, tiens, va m'appeler ton père. Qu'il saute du lit et qu'il vienne au comme il sera. Ah, je mise. Appelez votre père, appelez-le. Je répondrai de mes actes devant le chef de la famille. J'exige que ses filles soient respectées. Mêlez-vous de ceux qui vous regardent. Où avez-vous pris le droit de vous occuper de mes filles? Demandez-le à celle-ci. Vous êtes trop violent, Rico. Ah, je suis trop violent. Alors ce ne sont pas les autres qui tout à l'heure vous ont fait violence. Oh, allez, petite, mais pour lui, voyons. Allez, n'aie pas peur. Papa n'est pas dans sa chambre. Sa chambre? Ni dans sa chambre, ni dans le bureau, nulle part. Il n'est pas rentré? Pas rentré? À une heure pareille? Il doit être retourné à ce tabaret. Encore une fois, c'est à vous de sortir. Pas du tout, madame. Oh. Je vous en prie, Rico. Vous n'avez pas à me prier. Vous savez aussi bien que moi. Mais c'est moi. C'est moi la coupable, la seule coupable. Bah, je me suis laissée aller. J'aurais pas dû. Vous connaissant comme je vous connais. Pourquoi m'as-tu donné cette réplique? Ce n'était pas le moment. Bon, ça. Bah, oui, cette réplique n'a rien à voir dans cette scène. Tu ne me connais pas encore assez. Et puis, quel besoin as-tu de t'accuser? Oh, mais ça m'est venu spontanément. Écoute, moi, je sais pas, mais c'est bon, c'est insensé. On me démolit toute ma scène si on supprime la fin, si on l'achète sur une note burlesque. Bravo, très bien. Mais pas du tout, c'est très très bien, enchaînez. On commence à entendre frapper de plus en plus fort, à la porte, au fond. C'est vous qui compromettez tout. Pardonnez-moi, je réclame simplement qu'on me réponde dans le ton. Voilà une demi-heure que je m'exprime à répéter, Mademoiselle Mimi le sait, Mademoiselle Mimi le sait aussi bien que moi, et Josette ne trouve pas un mot pour me soutenir. Elle ne quitte pas son attitude de victime. Il faut bien savoir ce que je suis, moi, si je suis pas une victime. Hein. Victime de mes sœurs, victime de la mauvaise réputation de mon père, de ma mère, et de la voûte par-dessus le marché. Enfin, monsieur le directeur, j'ai beau frapper, personne ne vient m'ouvrir. Je suis à la porte, couverte de sang, le ventre ouvert, les tripes à la main, si j'ose dire. J'ai à mourir sur le plateau, ce qui n'est quand même pas facile pour un acteur comique. Et personne ne s'occupe de moi. Tous mes effets sont coupés. Et quels effets ! Un agonisant, un moribond qui en plus est sourd comme une bourrique. Comment on va arranger ça à présent? Comment? Mais rien de plus simple. Où est la chanteuse? Ah, je suis là. Vous le soutenez côté cour. Et moi, côté jardin. Eh bien joué, allez-y, soutenez-la. Elle devait déjà me soutenir dans l'escalier. L'escalier est monté, vous êtes en haut de l'escalier. Bon, à vos places. Côté cour, côté jardin. Vous vous noiriez dans un verre d'eau. À trois, vous entrez. Un... 2
Et trois. Mais moi, vous m'avez supprimé mon entrée. Comment voulez-vous que je fasse? Je devais tout vous dire dans le délire du vin. Passer mes mains ensanglantées sur mon visage, comme ça, là, et le souiller de sang. Ça va, c'est bien? Oui. Et puis, vous bouleverser, vous faire pleurer, mais pleurer de vraies larmes, en ne trouvant plus le souffle pour continuer. Et puis, pointant mes lèvres comme ceci, dans un dernier sifflotement. Approche-toi. Entre vous deux, mais plus pressé, près de toi, mon amour, j'essaie de poser ma tête comme un petit oiseau et mourir. Mon Dieu! Il est mort! Papa! Mon pauvre petit papa! Parfait! Coupez la lumière! Le noir partout! Que tout le monde sorte! 6 jours plus tard, la mère et les 3 sœurs, vous êtes là, assis en cercle. Laissez le salon dans le noir! Lumière à la suspension de la salle à manger! Mais, monsieur le directeur, laissez-nous le temps de nous habiller en noir! C'est exact, j'oubliais, on devait baisser le rideau après la mort. Allez vous rhabiller de noir. Rideau et lumière dans la salle! Oh non! On ne peut pas continuer de cette façon-là. Non, ça c'est vraiment plus possible. Ah, je suis pas du dernier tableau, mais je suis venue. Qu'est-ce qui vous arrive encore? Proclamer ma solidarité avec mes camarades. Qu'est-ce qui vous prend? Monsieur le directeur, nous retirons. Vous retirez, où ça? Dans nos appartements. Oui, nous renonçons à jouer. À moins que vous ne disparaissiez vous-même. Au choix. Vous disparaissez ou nous disparaissons. Un ultimatum à moi? C'est un comble. Alors, très bien. Au revoir. Partons. Nous ne sommes pas des guignols. En route. Voyons, expliquez-vous. Et commencez par respecter le public. Au moins les spectateurs qui ont payé leur place. Si vous êtes satisfait du spectacle, nous ne le sommes pas. Voilà tout. Voyons, tout n'a-t-il pas bien marché? Ah, vous trouvez? Eh bien, vous n'êtes pas difficile. Vous nous demandez d'improviser. Vous avez tous accepté. Vous trouviez l'idée admirable. Mais pas de cette façon. Oui. Pas en mourant au commandement, pas en sautant des scènes. Pas en reprenant à froid une scène. Les mots ne viennent plus. Du mot à mot. Des répliques écrites, ce que vous voudrez, faites-nous reprendre à votre gré, mais... Un texte établi d'avance. Au lieu de ça, vous déchaînez en nous la vie de nos personnages. Nous identifions notre rôle. À force de parler, nous nous montons. Et... On finit par quoi c'est arrivé. Bah oui, je l'aurais battu, ce type-là, qui voulait faire la loi chez nous. Eh bien, mais c'est parfait. Ce serait parfait si vous ne nous demandiez pas en même temps de ne pas perdre le fil de nos scènes. Et de n'oublier aucun effet. Sous prétexte que nous sommes au théâtre, comment voulez-vous que nous pensions encore au théâtre alors que nous sommes lancés en pleine vie? Vous avez vu ce qui s'est produit tout à l'heure. Josette a dit ce qu'elle devait dire, mais moi je pensais à jouer encore la scène telle que vous l'aviez fixée vous-même avec la dernière réplique pour moi. J'ai protesté et j'avais tort. Josette avait raison de s'accuser à ce moment-là. C'était pour vous calmer tous. Mais naturellement, je te présente toutes mes excuses. C'était moi qui étais une imbécile de vouloir suivre vos indications. Vous allez trop loin, Thérèse-Marie. Je dis la vérité. Tu es vraiment une victime. Je te vois possédée par ton personnage comme moi par le mien. Tu as crié, le public est là dans la salle qui nous regarde. Soit, tant pis. Mais ce soir, pas de théâtre. Nous ne pouvons plus faire de théâtre comme les autres soirs. S'il faut tout avouer, avouons comme devant un tribunal qui devrait nous juger. Mais vous, dehors. Moi? Nous passons d'auteur, non, pas besoin de metteur en scène. Ce soir, croyez-le, c'est impossible. Parfaitement. Oui. Laissez les seuls pour que chacun exprime ce qu'il sent. Ce qui jaillit de lui. Oui, à la porte. À la porte. Vous ne prétendez pas me chasser de mon théâtre, j'espère? Nous vous aimons et nous vous respectons comme metteur en scène, mais ce soir, nous ne voulons pas de metteur en scène. Pas de metteur en scène. Pas de scénario, pas de pièce, pas de metteur en scène. Vous voulez vraiment parler comme devant un tribunal? C'est le seul théâtre qui soit vrai. Nous ne pouvons plus nous mentir. Nous nous moquons des effets. Donc parfaitement nous-mêmes. Très bien. La vie qui jaillit, personne n'a le droit d'être. Je vous laisse.
Vous allez reprendre sans moi. Ils ont raison. Allez, à la vie. Allez-vous-en. Allez. Rideau. Laissez-nous la mort. Allez. Avec quelques boissons fraîches, parce qu'il fait déjà assez chaud dans cette salle, c'est pour ça qu'on a limité à trois quarts d'heure le spectacle. Mais il est déjà question que cette aventure se poursuive avec Pirandello, et ce soir on improvise au mois de septembre, lors des portes ouvertes, parce que l'équipe est motivée, et moi je suis très content de leur travail, parce que c'est un théâtre assez difficile, et c'est vraiment très sympathique, et les spectateurs d'hier soir, et ceux d'aujourd'hui, de venir soutenir un travail comme celui-là, parce que l'émotion, là, elle est brute de décoffrage, hein. On a à peine fait un dernier filage jeudi, et je crois que c'était le pratiquement premier, et donc là, voilà, ils vous ont livré leur travail sans retenue, et bravo, encore bravo. Et ah oui, alors la consigne du lieu, c'est qu'on fonctionne, le fonctionnement, c'est au chapeau, entrée libre au chapeau. Alors si vous voulez soutenir notre modeste entreprise théâtrale du passeur, alors le chapeau, il est près du porte-chapeau, voilà, très facile à retrouver. Et puis sinon, vous pouvez rejoindre les acteurs et parler avec eux, ils sont à votre disposition.